à la limite, on n'a pas trop envie. Ça pourrait, ça pourrait s'arrêter là, parce que la poursuite avait. Voilà, c'est joli de dire, ah ben voilà, mon amour me poursuit. Comment aller imaginer des choses pareilles? Vous en dites beaucoup plus de vous-même en imaginant ces horreurs, par exemple, ou pas forcément les horreurs, mais enfin bon, dans les thrillers. L'inconscient sadique de l'auteur s'exprime à fond, et je me dis qu'est-ce qu'il dit sur lui-même, hein. C'était bien plus que s'il disait « je suis né là, il s'est passé telle chose », évidemment. Trouver un lien, enfin, il y est, mais le faire sentir davantage au lecteur. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que chacun ait dit quelque chose de lui-même. C'est-à-dire que ce n'était pas convenu. Ce n'était pas convenu, vous n'avez pas essayé d'écrire à la manière d'eux ou d'essayer de se faire valoir en faisant un exercice de style. Je trouve que, en effet, chacun a dit quelque chose qui le concerne au plus près, à sa façon. Philippe Grimbert, je suis vraiment très heureux d'avoir fait cette expérience de l'atelier d'écriture, là, avec une douzaine de personnes incroyablement motivées, qui n'ont pas été du tout inhibés, qui ont écrit des textes, qui les ont lus publiquement, qui m'ont inspiré même des remarques. Je craignais de ne pas avoir de corrections particulières à faire ou de suggestions, mais ils l'ont fait avec tellement de bonne foi, de sincérité, et chacun a dit tellement de choses sur lui-même que, évidemment, ça m'a inspiré naturellement des réflexions, des pistes à poursuivre, ce qu'ils ont fait, et je crois qu'on a passé tous ensemble un formidable moment. L'écriture est un outil magnifique, quelle chance de pouvoir l'utiliser, quelle chance de pouvoir le partager.